Opus 4, un quatuor de cuivre de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Le groupe était à Souffle en avril en première partie de l'OHS. Entre Noël et Nouvel An, Souffle Play vous propose de larges extraits. Bonsoir à tous. C'est un grand honneur pour nous d'être avec vous ce soir et un grand plaisir d'introduire ce concert. Et merci à vous d'avoir écourté votre barbecue de ce soir, après cette magnifique journée, pour venir nous écouter et également écouter l'harmonie de Souffle Weyersheim. Vous m'entendez, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Poppe et Hirschmi ? Le concert de ce soir est placé sous le signe. Il dit que tout le monde ne comprend pas l'alsacien. J'ai donc demandé à mon papa s'il entendait tout ce que j'étais en train de raconter. Voilà. Le concert de ce soir, donc, est placé sous le signe de l'humour, de la galéjade, et... mais aussi du sérieux, car c'est de la musique classique. Et on ne rigole pas avec la musique classique. En ouverture, nous vous avons interprété de Giacomo Rossini l'ouverture Il Barbiere di Séville, l'ouverture du Barbier de Séville. C'est une pièce dite du répertoire orchestral. Mais Guillaume Tell, ça le faisait moins bien en italien. Donc oui, vous l'avez bien reconnu, c'était bien Guillaume Tell. Comment on dit en italien ? Là, ça n'a aucun intérêt, c'est pour ça que j'ai dit Barbier de Séville. Après, s'il vous plaît, c'est un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Cette pièce était donc une pièce du répertoire orchestral. Tous les quatre, nous faisons partie de la phalange orchestrale de Strasbourg, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Ça nous tenait vraiment à cœur de partager avec vous un programme concentré sur la musique symphonique. Il faudrait avoir une lumière en dessous comme ça. La musique symphonique, la musique sérieuse. La prochaine pièce que vous allez entendre est une pièce assez longue et sera composée de plein de petits extraits de notre répertoire. Vous en reconnaîtrez certains peut-être pas, on verra. Mais en tous les cas, ça c'est très important. Sachez que si vous voulez applaudir, si vous voulez rigoler, si vous voulez danser, retenez-vous. Non, je déconne.
Surtout, faites comme vous voulez, dansez, vous pouvez descendre, voilà, faites comme vous voulez. En tous les cas, cette pièce a été commandée par Opus 4 auprès d'un de nos collègues, Rémi Abraham, un habitant de Sulfubirche. Il n'est pas là aujourd'hui, mais son esprit est avec nous. Il nous a donc arrangé ça, et cette pièce est extraite de notre spectacle, qui va être donné en mai 2019 seulement. On est au début de l'écriture, mais on a déjà les extraits musicaux. Et ça n'arrive pas souvent. Cette pièce est intitulée « Fragments symphoniques », « Esquisse symphonique », on n'a pas encore exactement le terme. On va l'appeler « Esquisse symphonique ». Et vous aurez l'occasion d'entendre, de voir, d'admirer chacun des membres d'Opus 4 dans cette pièce. Fragments symphoniques par Opus 4, un arrangement des plus beaux extraits de l'histoire de la musique classique pour orchestre de Rémi Abraham. Thank you.
et bonsoir au jeu d'Opus 4, bienvenue à vous. Comme vous avez pu le constater, nous avons déjà joué combien d'extraits? Oh yes, 3 extraits. Est-ce que quelqu'un dans ce public peut me donner le nom de ces 3 extraits? Oui, 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 il y avait le meilleur Skonsart à la fin. Tu vois? Ok, ça va. On appelle ça communément la radette qui marche. Juste avant ça, exactement, la symphonie du Nouveau Monde, le deuxième mouvement. Et avant ça, le tout premier... Ah, c'est pas la cavalerie légère. Bien tenté. Mais non, c'est une danse qui n'était pas très propre, parce que c'est la danse slave. Paf. Non, n'applaudissez pas, ce n'est pas grave. Mais c'était simplement pour vous entraîner, car maintenant, grâce à un jeu d'une subtilité incroyable, je vais vous faire deviner le titre des autres extraits de la pièce. Car oui, la pièce va continuer. Donc, est-ce que vous êtes prêts à jouer avec Opus 4? Oui. Oh, fêtez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ça te tombe bien, moi aussi. Alors, je vais poser ça là. Premier extrait à deviner. Je vais le mimer. Orto. Tout le monde voit bien? Popper? Philippe Leller? Je le refais suivre. Le premier, ça va. Oui, ça va. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Et il y a besoin d'avoir tous les termes. Non? Ah. Ok, je vais vous le faire. Saint. Voilà. Quand on joue en église, je fais ça. Voilà, là, on peut se le permettre. Alors ça, c'est un téléphone. C'est un iPhone. Pop un iPhone. Quand je le retourne, c'est un phone i. Symphonie numéro 2. Et le truc là, c'était quoi? Ben, c'est le mouvement lent. Simplement. J'ai besoin d'un accessoire pour l'extrait suivant. Et attention, l'extrait suivant est très important car il permettra au gagnant de boire un coup et d'avoir une paire de Wechsler à partager avec Opus 4. Cependant, je pondère car il faut quand même qu'on demande au comité. Et voilà. Et on n'a pas eu le temps de faire une lettre recommandée, donc malheureusement. Voilà. Donc je compte sur vous, messieurs et dames du comité, merci. Ce concert est placé sous le signe de l'humour, et donc cette petite galéjade nous vient du plus grand comique français, Pierre Desproges. En hommage à Pierre Desproges. La première personne qui trouve le hurle le plus fort possible. Mais pas la personne derrière mon papa, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Ah, exactement. Alors pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est je Hopful. Mais avec Hopful, ça marche pas. Faut le traduire en français, c'est une pomme. Donc, pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Oui, mais ça compte pas, c'est le président. De toute façon, il a tous les coups à l'œil. Ah là 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 là. Bon, bravo président. Nous avons encore, il y a encore 3 extraits. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire 3 jeux encore. Pour les 3 derniers extraits, je vais vous le faire deviner sous forme de haïku. Vous savez, c'est des petits poèmes japonais
ésotérique qu'on comprend. Enfin, nous, occidentaux, on a vraiment du mal à saisir le sens de ces poèmes-là, et ça m'arrange, là, pour le coup. Le matin, la fée dragée rêve d'Arlésienne. Il n'y avait pas de réponse demandée. Et maintenant, tous ensemble, s'il vous plaît. Thank you.
Des années d'études. Ça me fait penser à ma scolarité. Est-ce que vous savez, messieurs, dames, comment on appelle celui qui joue du tuba ? Michael. Mes copains m'appellent mon petit rayon de soleil. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que je suis capable, avec deux notes, de vous faire sourire. Un jour ils m'ont dit, écoute Mika, parce qu'il m'appelle Mika en fait, si tu veux faire une vraie carrière internationale, il faudrait que tu rajoutes un peu de phrasé. Alors j'ai travaillé.
On m'avait vendu l'endroit en Alsace où le public est le plus chaud. Bonsoir, Souffelweyersheim. Bonsoir. Je ne suis que tubiste. Bien, alors, ce soir, on va parler d'un mot à la mode. Enfin, il y en a même deux. On entend souvent parité, mixité. Vous allez nous dire, la parité chez nous... Bon, on a essayé, hein. Pendant 6 mois, on avait une femme. Et en fait, c'était pas possible. Non, mais en fait, elle voulait travailler tout le temps. Et en plus, c'est vrai. Alors, on s'est plutôt rabattu sur la mixité sociale. Et on s'est engagé auprès de la région Grand Est à ce qu'il y ait toujours dans l'ensemble Opus 4 25% de Lorrains. Alors, on est profondément désolé parce que mes amis trompettistes sont alsaciens pur jus. Moi, je me considère presque comme alsacien, ça fait 24 ans. Mais le Lorrain, bon, on l'a autorisé à mettre sa veste de cow-boy aujourd'hui. Voilà, on vous explique, c'est un quota, c'est comme ça, c'est la région Grand Est qui nous l'impose. Nous allons continuer ce concert avec une musique de Charlie Chaplin. En fait, c'est un medley, donc ça se commente même pas. Un medley de Charlie Chaplin. Thank you.
Thank you.
Thank you.